Jacob a eu. Qu'est-ce qui a amené Jacob à dire ces paroles? Que l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. En retournant un peu en arrière, nous allons voir que Jacob était un deuxième fils ou un jumeau d'Ésaü, qui était son frère aîné, parce qu'il est sorti le premier du ventre. Et automatiquement, par la loi de Dieu, le premier fils, celui qui sort le premier, il a automatiquement le droit d'aînesse. Mais nous voyons que Jacob tenait tellement à ses droits d'aînesse, parce que même Dieu lui-même avait déjà dit à sa mère que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc la bénédiction du droit d'aînesse était déjà par la promesse sur Jacob. Et à cause de cet appel, Jacob ne peut pas rester tranquille aussi longtemps qu'il n'avait pas saisi ce droit d'aînesse. Il a tout fait, vous connaissez l'histoire, comment il a acheté ce droit d'aînesse avec un plat de haricots. Et comme si cela n'était pas suffisant, sa mère l'a inspiré à aller tuer les veaux ou les chèvres, après cela son père. Afin de recevoir la bénédiction qui était destinée à son frère Ésaü. Il a porté la peau des chèvres. Il est allé devant son père. Son père a senti que c'était la voix de Jacob. Mais il a touché les mains, les bras, c'était les bras d'Ésaü. Dieu s'est arrangé pour que Isaac ne puisse pas découvrir que c'était Jacob. Et voilà, nous pouvons lire avec vous cela. Quand il a pris ses bénédictions, qu'est-ce qui se passe? Écoutez comment il est béni. Au chapitre 27, verset 21, Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne les reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. C'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il le mangea. Il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Voyez-vous, les bénédictions qui furent prononcées sur Jacob. Jacob était béni. Et quand Dieu bénit par son prophète, sa parole ne peut pas revenir à lui sans produire les effets pour lesquels elle est partie. Donc, personne ne pouvait faire du mal à Jacob. Parce que c'est lui qui maudissait. Jacob était maudit de Dieu. Celui qui bénissait Jacob était béni de Dieu. Ce sont ses frères qui devaient se prosterner. Il devait être le maître de ses frères. Son odeur était l'odeur d'un champ béni. Et Dieu a dit, tu auras de la graisse. Voyez-vous? Donc Dieu a béni Jacob. Après l'avoir béni,
Quand Ésaü va se rendre compte que son frère lui a volé le droit d'aînesse, il a conçu de la haine et dit, je vais tuer mon frère quand mon père va pas mourir. Et la mère ayant su cela, elle monta le plan pour que Jacob puisse fuir et aller chez Laban, son frère. Regardez qu'après avoir eu les bénédictions, après que Dieu l'ait béni, qu'il sera la tête et non la queue, qu'il sera toujours, ce sont les autres qui vont se prosterner devant lui. Il sera le maître de ses frères. Jacob s'aimait à fuir malgré toutes ces bénédictions qui étaient prononcées sur lui. C'est quelque chose de très frappant qu'après les bénédictions, que Jacob puisse paniquer, puisse trembler, avoir peur et fuir. C'est en fuyant dans cette peur, il s'est sauvé pour sa vie, qu'il était fatigué, rattrapé par la nuit et la fatigue. Il devait se coucher. Et il a pris une pierre dont il a fait le chevet. Et c'est pendant qu'il dormait que Dieu vint le visiter la nuit dans ce songe. Et Jacob a vu une échelle la nuit. Et cette échelle partait de son, cette pierre qu'il avait placée comme chevet, et touchait au ciel. Et au sommet de cette échelle était Dieu sur son trône. Et sur cette échelle, il a vu des anges descendre et monter. Descendre et monter. Donc, là où il avait mis sa tête, était appuyée l'échelle, et cette échelle était appuyée au ciel, sur le trône de Dieu, et Dieu était au-dessus. Et il a vu les anges monter, descendre et monter. Et la Bible dit, alors Jacob s'éveilla de son sommeil. Vous allez remarquer ici, la Bible ne dit pas que Jacob s'est réveillé. C'est pourquoi notre sujet que nous introduisons ici, nous l'appelons l'éveil de Jacob. Il y a une différence entre le réveil et l'éveil. La Bible dit, Jacob au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Jacob s'éveilla de son sommeil. Ce n'était pas qu'il s'était réveillé du sommeil, mais il s'éveilla. S'éveilla de son sommeil. Parce que si vous descendez plus bas, au verset 18, il est dit, « Et Jacob se leva de bon matin. » Donc, il peut pas se lever deux fois. Et on n'a pas utilisé le même verbe. Donc, la nuit, il ne s'était pas levé, il ne s'était pas réveillé. Il s'était éveillé de son sommeil. Et le matin, il se leva. Alors Dieu a voulu préciser ces deux choses dans ce qui est arrivé avec Jacob. L'éveil de son sommeil et le matin, il s'est levé de bon matin. Comme tout le monde se lève du lit et sort du lit. Mais là, il s'était éveillé. Et l'éveil, éveiller quelque chose, c'est stimuler, c'est l'amener comment, dans une réalité où cette chose n'était pas. Donc, ici, nous allons parler de l'éveil. Et cet éveil n'est rien d'autre qu'une prise de conscience, une réalisation. Parce que, vous savez, la prise de conscience est définie comme l'éveil de l'esprit à la réalité de quelque chose
et à son importance.